بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل درجات Donc, comme on le disait tout à l'heure, concernant l'existence et l'employement du mot Shia depuis l'époque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette expression et ce terme étaient appliqués sur des gens qui étaient des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et pourquoi ce mot était appliqué sur eux? C'est parce qu'ils étaient attachés à l'imam Ali alayhi salam, parce que le prophète lui-même avait présenté l'imam Ali alayhi salam et les gens de sa maison en tant que ceux-là qui étaient les détenteurs du pouvoir et du commandement de l'islam après lui. Cela était les détenteurs du savoir de l'islam que les gens devaient se référer après sa mort. Donc voilà pourquoi vous allez trouver que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, avant qu'il ne quitte ce monde d'ici-bas, comme on l'a répété à plusieurs reprises, pour dire qu'il avait déjà averti, la communauté de cette divergence, de cette division, que l'histoire nous dit que cela même a été manifeste depuis le jour dont lui, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, est décédé. Il nous avait prévenu de cela. Et comme la logique aussi l'a demandé, la logique exige que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait prévenu la communauté et la nation musulmane concernant cette divergence, cette division qui va apparaître dans le futur, il fallait qu'il laisse une mesure ou bien des mesures à prendre lorsque cette divergence, cette division va apparaître. Alors que s'il ne laissait pas une mesure, la mission allait rester incomplète. Et voilà pourquoi après l'événement de Ghadir, comme nous l'avons dit une fois, que Allah subhanahu wa ta'ala parle de la complétion de la religion lorsqu'il dit qu'aujourd'hui j'ai complété pour vous, sur vous ma grâce, et j'ai complété pour vous ma et votre religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Que aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Donc, comme je l'ai dit, le signe pour dire que la religion a été complète ce jour-là était déjà manifeste, et que aujourd'hui, même si nous nous référons au livre d'histoire, nous allons trouver que ces jours-là, c'est parce que après avoir transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à Ghadir Khum,
que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset-là. Donc, le prophète avait prévenu et il a donné des mesures. Et ces mesures, ce sont les mêmes versets. Les versets qui démontrent ce qu'on doit suivre. Je vous ai donné le verset de la wilaya pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint Coran a dit ceci: innama waliyukum Allahu wa rasuluhu. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. Que votre élu, votre maître est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et les croyants. Quels croyants? Les croyants qui donnent l'aumône en position de la génuflexion. Qui a donné l'aumône en position de la génuflexion? Allez-y voir l'interprétation de ce verset-là. Vous allez trouver que c'est l'imam Ali alayhi salam a été cité dans ce verset. Donc, je ne vais pas mettre trop d'accent sur ce point-là, puisque les vertus de l'imam Ali alayhi salam, on les connaît. L'encouragement et l'appel du messager Allah subhanahu wa ta'ala à s'attacher au Coran et aux gens de sa maison, on les connaît très bien dans Hadith Sostiqleg. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi n'a pas laissé de mesures avant de quitter ce bas monde. Il nous a toujours prévenus et il nous a laissé des mesures. Dans une de ses paroles qui a été rapporté dans Ansab al-Ashraf. Lorsqu'il dit ceci, innahu satakunu fitna fa in adraktumuhu fa alaykum bi kitabillahi wa Ali ibn Abi Talib. Wa Ali ibn Abi Talib. Que après moi, il y aura l'affliction. Il y aura une divergence que si vous avez vécu à cette époque-là, je vous demande de vous attacher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Donc, en prévenant, il donne des mesures à prendre. Ce n'est pas comme il a prévenu et il n'a pas donné des mesures et que lorsqu'il va mourir, les gens vont se rassembler sous la Satifa, ne sachant même pas qui il faut choisir pour diriger la communauté musulmane. Parce que lorsque vous allez étudier l'événement de la Satifa, vous allez trouver que c'est après une longue discussion que Abou Bakr va être choisi pour faire quoi? Pour diriger la communauté musulmane. Et qu'est-ce qui va vous dire que ceux-là ont été infaillibles en choisissant Abou Bakr en tant que le chef et le dirigeant de la communauté musulmane? Bien sûr qu'ils n'ont pas été infaillibles. Ceux-là ne sont pas infaillibles ni dans nos croyances, que ce soit c'est les chiites ou les, comment on appelle, dans l'école sunnite.
Et d'ailleurs même, il y a une parole de Omar qui dit ceci, que innama kenat bay'atu Abu Bakr falita, que l'allégeance prêtée à Abu Bakr, hein, à Saqifa, était brusque. Et lui-même demande que personne ne revienne sur la sorte, et que quiconque va venir, hein, sur la sorte, qu'il soit tué, qu'il soit tué. Donc, ça démontre qu'il y a eu erreur. Qui devait prendre, qui devait donner les mesures et protéger la communauté musulmane à ne pas faire cette erreur-là? Bien sûr que c'était le rôle du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nous attestons qu'il a joué son rôle avant de quitter ce monde d'ici-bas. Lorsque vous allez vous référer aux vertus et à la nomination explicite de l'imam Ali alayhi salam en tant que successeur. Donc, comme je l'ai dit, il a appelé, il a prévenu et il a appelé à s'attacher à l'imam Ali alayhi salam. Et encore, il dit ceci, que awwalu man yadkhul alayka min hadha al-bab imam al-muttaqin wa sayyid al-muslimin wa ya'sub ad-din wa khatam al-wasiyyin. Que une fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, une parole qui a été rapportée par Anas ibn Malik, pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était en train de faire l'ablution. Lorsqu'il a fini de faire l'ablution, il a fait quoi? Il a fait la prière de deux raka'at et qu'il a dit ceci. Hein? Apparemment, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui parle à quelqu'un pour dire que celui qui va rentrer tout à l'heure, puisqu'il était à la mosquée, celui qui va rentrer tout à l'heure est Imamul Muttaqin. Il est l'imam des gens pieux. Sayyidul Muslimin. Il est le maître des musulmans. Waya Subuddin. Il est le leader de la religion. Wa Khatamul Wasiyyin. Et il est le dernier des régents. Est-ce que vous avez vu? Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nous allons trouver que c'est lui-même qui a appelé à s'attacher aux gens de sa maison. Mais malheureusement, qu'est-ce que le schisme va se passer, ou bien qu'est-ce qui va se passer à ces gens-là, à ces gens-là, ceux-là que nous avons dit qu'ils étaient attachés à l'imam Ali alayhi salam depuis même l'époque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'événement de la calamité du dernier jeudi, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a passé dans ce monde d'ici-bas, si vous vous rappelez lors du cours de l'histoire, l'histoire était que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait demandé que d'envoyer un papier et l'encre qu'il va écrire quelque chose pour ses compagnons afin que ceux-là ne soient pas égarés après lui et qu'il y a eu des discussions et des divergences autour de lui. Lorsque il a dit cette parole-là, et l'homme a dit que l'homme est en train de divaguer,
Et l'homme est en délire. L'homme est en délire, comme vous le savez, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Donc, ainsi, vous allez voir que cet événement, lorsque Ibn Abbas va parler de cet événement, je vous ai dit que Ibn Abbas va pleurer jusqu'à mouiller ses barbes. Il va mouiller sa barbe, hein, à cause de la calamité de ce qui s'est passé, de la calamité qui s'est passée autour du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a amené à s'énerver à ceux qui ont objecté à sa parole. Donc, toujours on se pose la question, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a pu transmettre son message ce jour-là ou pas? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a pu transmettre son message ce jour-là ou pas? Comme je l'ai dit, il faut essayer de voir si vous pouvez trouver le livre de Sulaym ibn Qais al-Hilali, Kitab Sulaym. Je vous ai dit que c'est le plus vieux des livres, ou bien il est parmi les plus vieux des livres depuis l'époque même de l'imam Ali alayhi salam. Un livre qui a été écrit par Sulaym. Il était un compagnon de l'imam Ali alayhi salam. Dans ce livre, il dévoile beaucoup de choses que vous n'allez pas trouver, ou bien vous allez trouver partiellement dans d'autres livres de référence. Et je vous ai dit que ce livre, oui, il y a une divergence pour dire que est-ce que le livre est resté dans son authenticité jusqu'à aujourd'hui ou pas. Bel et bien, il y a des savants qui ont pu le prouver par la chaîne de transmission. Donc, dans ce livre-là, vous allez trouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, ce jour de jeudi, qu'on appelle jeudi de la calamité, bien vrai qu'il n'a pas pu transmettre le message à l'autre groupe qui a objecté. Parce que cela n'était pas, lié à ces personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez trouver dans ce livre-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a gardé auprès de lui des compagnons qui étaient ceux-là les mêmes partisans de l'imam Ali comme Miqdad et Abu Zarr, et il les a toujours parlé de l'imam Ali de rester toujours attaché, d'être toujours partisan et adepte de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il ne serait pas là. Donc, pour dire que, une fois encore de plus, ces visions-là qui parlent de l'apparition du schisme au cours de l'histoire, comme si cela n'avait rien à voir avec la tradition du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni aux instructions du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourrait pas être accepté. Ces paroles-là sont automatiquement rejetées par le Saint-Coran, compte tenu que l'attachement à Ali est dû à son statut et à ses vertus
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'est pas à dire que c'était au cours de l'histoire. Par exemple, le chiisme est né après l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam, ou bien c'était une vengeance de la part des Iraniens, hein, qu'ils ont introduit des enseignements et des innovations pour créer une école pour se venger des Arabes, ou bien d'autres visions qui ont été citées. Mais la remarque, une autre remarque que je vais faire ici, qui est très très importante, lorsque quelqu'un va dire que l'apparition du chiisme a été vivide au moment de la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela veut dire? Nous pouvons entendre peut-être deux aspects ici. On peut comprendre deux aspects peut-être ici. L'un de ces aspects que peut-être on pourra comprendre pour dire quoi? Pour dire que, un d'abord, l'attachement à Ali n'avait jamais été en islam si ce n'était pas après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et qu'est-ce qui va amener cet attachement-là? Peut-être une revendication de l'imam Ali alayhi salam, ou bien des gens qui vont attribuer cela à l'imam Ali alayhi salam, c'est-à-dire qu'ils vont se proclamer en tant que partisans et adeptes de l'imam Ali alayhi salam après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons dire que, ou bien disons que l'autre aspect pour dire que oui, il y avait un attachement au messager, à l'imam Ali alayhi salam depuis le temps du messager d'Allah. Il y avait un attachement. Et que bel et bien, il y avait des compagnons qu'on les appelait Shi'atu Ali. Shi'atu Ali. Mais ceux-là, ils avaient une vie normale que l'on ne pouvait sentir. Peut-être que cela n'était pas attaché à lui pour ses vertus ou bien parce qu'il l'avait élu en tant que successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et après sa mort, ceux-là sont venus pour l'amour de cette personne-là et pour quelques raisons, hein, d'amitié que ceux-là vont, revendiquer son privilège et vont l'élire en tant que le successeur du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Automatiquement, vous allez voir, bien vrai que ces deux explications-là sont à peu près comme les mêmes. Mais en réalité, lorsque vous allez étudier, les événements, oui, les événements peuvent envoyer la manifestation et la réaction des gens au cours de l'histoire. Mais comme je l'ai toujours dit, une lecture du mot Shia et son application sur des compagnons depuis l'époque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous démontrer que après même la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque ceux-là sont restés derrière l'imam Ali, c'était toujours comme tenir la parole qu'avait dit, ou bien disons les paroles que le messager avait relatées à propos de sa succession et
comme lui-même aussi avait demandé à s'attacher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si des gens, après cela, je veux dire quoi? Après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les compagnons qu'on les appelait les sahaba. Après les sahaba, ceux qui ont vécu avec les sahaba, les compagnons, et qui n'ont pas vécu avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, on les appelle les tabi'in. Lorsque les tabi'in vont venir et vont s'attacher à ceux-là qui étaient attachés à l'imam Ali alayhi salam, ils sont attachés à l'imam Ali ou bien ils sont attachés à ceux-là directement. Moi, je veux vous dire qu'ils sont attachés à l'imam Ali alayhi salam. Est-ce que vous avez vu? Parce que c'est toujours ces mêmes vertus, ces mêmes mérites, hein, qui vont les amener à suivre les traces. C'est de la sorte pour chacun de nous ici. Lorsque nous allons faire une bonne lecture du chiisme, moi j'étais par exemple un sunnite. Lorsque j'ai fait une bonne lecture, par la grâce d'Allah, que je lui loue à propos de cela, pour dire que, pour bien connaître les vertus de l'imam Ali, et pour bien connaître aussi ses mérites, et qu'il était le successeur légitime, après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque automatiquement j'accepte cette école chiite, pour ces raisons-là, qu'est-ce qui m'a amené à me transformer? Ce n'est pas l'imam Ali alayhi salam qui m'a transformé directement. Ce n'est pas le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala directement. Directement, je vais dire quoi? Je vais dire que je n'ai pas eu le messager devant moi pour me parler des vertus de l'imam Ali. Voilà ce que je vais dire. Je vais dire que je n'ai pas eu les compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala en face de moi pour me parler. Mais il y a eu des gens au cours de l'histoire qui m'ont transmis ce message-là. Et lorsque j'ai reçu ce message, je l'ai accepté et je me suis attaché à cette école. Donc, lorsque je suis attaché à cette école, je fais partie de la Shia de l'imam Ali. Donc, nous revenons encore une fois de plus à la définition de Cheikh Moufid, si vous vous rappelez, pour dire que les chiites sont ceux-là qui ont la croyance que l'imam Ali alayhi salam est le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les vertus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a donné concernant les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela était par le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc, une fois encore de plus, nous allons nous arrêter à ce point. Donc, nous avons démontré pour dire que le chiisme, ce n'est pas une apparition après le prophète, mais c'est avec le prophète, et le prophète est le premier maître de l'école chiite. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.